pareil. Le mois de cash. Normal. Le mois de cash. Alex. Camille, Alors on a un petit souci avec le joueur mexicain. Sachez que dans le règlement, il a droit à 3 minutes pour souffler un peu. On a fait venir la personne adéquate, on en tient au courant dès qu'on a des infos. A tout de suite. Mr. Salazar is feeling ill and has conceded the second game and is taking the extra 2 minutes in time. Alors pour un autre point de règlement, voilà, Grégory est en train de rester concentré sur ce 8e de finale, son premier match. Sachez que vu le temps qu'a pris déjà le joueur mexicain, il vient de concéder le deuxième jeu et il a 2 minutes pour revenir. Il a déjà entré le deuxième set. S'il ne revient pas au bout de 2 minutes, il sera obligé de concéder le match. Voilà pour les infos au niveau du règlement que l'on a dans une journée. Honnêtement, profitez-en. Ça reste quand même un grand, grand moment dans ces championnats du monde. Et quand vous avez la chance de voir devant vous, en train de rester à l'échauffement, de rester chaud au cas où la partie reprenne, notre leader d'équipe, on peut l'applaudir très très fort, s'il vous plaît, Grégory Vautier. Ladies and gentlemen, due to illness, Mr. Salazar has conceded the match. There is 10 minutes to prepare before the next time. Ah, écoutez, allez-y plus fort! Allez, allez, allez! Salam alaikum!
S'il vous plaît, Mulhouse, ne vous gênez pas, vous laissez le leader de l'équipe de France, Grégory Gauthier. Ah, on profite quand même, un petit peu d'applaudissement. Encore plus fort, allez, 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 allez. Alors, Grégory, c'est vrai qu'avec ce huitième de finale, on rentrait vraiment dans le tournoi. Malheureusement, un match que tu gagnes assez facilement par abandon de ton adversaire. C'est pas grave, l'équipe de France est lancée sur son objectif, au minimum un podium. Pour le moment, voilà, le but est de gagner le match aujourd'hui. Bon, ben, malheureusement, je ne sais pas ce qui lui arrive. Je vais peut-être éviter de lui serrer la pince s'il est malade. Donc, mais bon, c'est dommage parce que bon, j'avais envie de jouer ce soir. Je prenais du plaisir et j'espère que c'est pas trop grave et qu'il pourra jouer la suite de la compétition. Donc bon, ben, j'apporte quand même le point à l'équipe de France, ce qui était mon but ce soir, et j'espère que Grégoire Marche va faire de même sur le second match. Et voilà, quoi. En tout cas, ça m'embête un peu de finir un match comme ça, parce que bon, avec ce monde-là, on n'a pas souvent des événements en France, et ça fait plaisir de pouvoir jouer devant le public français. Donc, ouais. Bon, en tout cas, si vous revenez. Ouais. Allez-y, 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 allez-y. Alors, juste une petite question pour se mettre à la place de ce que tu représentes en France, leader de l'équipe. Tu as joué le premier match. Est-ce qu'on se met une pression particulière quand on est dans ces conditions à l'occasion de ces championnats du monde? Non, j'ai pas de pression. Voilà, ça fait quand même 15 ans que je suis sur le circuit. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans, je sais pas combien d'années que je suis en équipe de France et que j'ai joué des gros matchs, des matchs décisifs, et voilà, je pense pas tout ce qui se passe à côté, je pense juste à mon match, à me focaliser sur ce que j'ai à faire, et voilà, j'ai pas trop de stress, j'ai juste l'envie de jouer, donc le fait d'avoir envie de jouer, ça met le stress de côté, donc voilà, en tout cas, revenez demain, parce que je vais envoyer la gouache demain, donc... Bon, écoutez, tu restes avec nous pour voir la jeune victoire et tu vas t'éclater un petit peu. On applaudit s'il vous plaît le numéro 2 mondial, le numéro 1 français, Grégory Gauthier. Point de règlement, il y a 10 minutes avant d'attaquer le match par rapport à la fin donc de ce match qui s'est arrêté un peu prématurément pour ce huitième de finale. On va pas s'en plaindre, il se tape pas dans le physique. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre soirée et n'hésitez pas à bouger s'il vous plaît, l'équipe de France et Grégoire Marche qui va rentrer dans quelques instants. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, in English, ok, we have 10 minutes for the next match, ok, that's all. Okay, we have 10 minutes for the warm-up, you know, and then we're gonna have the match. Thank you. On aura 10 minutes d'échauffement et on aura le match. Merci. Et le Mexicain, on n'a encore pas de nouvelles. En tous les cas, je vais vous demander de l'applaudir, tiens. Le joueur mexicain pour nous souhaiter un prompt rétablissement en espérant qu'il pourra jouer ses matchs de classement puisqu'en squash, au championnat du monde, on joue de la place 1 à 31 et qu'il y a 31 équipes. Allez, bonne suite à vous et continuez à rester comme ça, on a besoin de vous pour Grégoire Marche. Merci Mulhouse. We'll be right back.
il vient d'avoir le coach mexicain. Un petit malaise pour le Arturo Salazar, mais rien de grave. Voilà. Donc il se repose et puis il espère jouer demain pour ces fameux matchs de classement. Merci, à tout de suite. I gotta tell you, baby. Qui est parmi nous aujourd'hui. Je vais vous demander de l'applaudir, mais avant ça, je vais vous dire qui est-ce. Il s'appelle Amaury Lobo. Il est champion olympique par équipe. Il a eu énormément de médailles aux championnats du monde. C'est de la natation. Je vais demander au public de Mulhouse d'applaudir, s'il vous plaît, la présence d'Amaury Lobo, grand champion du sport français. Bienvenue à toi, Amaury. Bienvenue. Yes.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Je pense que le joueur a joué légèrement perturbé parce qu'il est arrivé à son collègue, d'applaudir le Mexique pour ce match. Merci beaucoup. Alors on applaudit un peu plus fort le Mexique, s'il vous plaît, allez-y. Voilà, il faut savoir que qui a joué tout à l'heure contre Grégory est parti pour des vérifications à l'hôpital. Voilà. Donc je pense que l'équipe du Mexique est bien perturbée dans ce tournoi. Et c'est fort sympathique de les applaudir une nouvelle fois. Je sais que j'en abuse, mais on va tous faire le point de permission à Arturo. Merci. Bon, ça y est, vous êtes chaud. Alors comme vous êtes chaud, Mulhouse, je voudrais qu'on applaudisse très très fort. Grégoire ! Grégoire ! Un match un peu spécial par rapport aux soucis qu'a connu le joueur numéro 1 mexicain. Est-ce que ça t'a dérangé dans ta préparation de match qu'on te dise « Allez, ça y est, après le premier jeu de Grégory, il faut que tu t'échauffes » ou est-ce que tu étais déjà bien préparé pour ce match ? Non, c'est vrai que j'ai regardé à peu près tout le premier jeu de Greg et je suis parti juste à la fin m'échauffer, et quand on m'a dit qu'il ne revenait pas sur le court, bah, il fallait accélérer l'échauffement, mais bon, après il faut rester dans sa bulle et pas faire aucun, il n'y avait aucun souci de ma part au niveau de l'échauffement, donc non, ça ne m'a pas perturbé plus que ça. D'accord. Juste, quand on prépare un match comme ça, on sait qu'il y a plusieurs cas de figure. Est-ce que tu as travaillé une tactique spéciale pour jouer ce joueur qui, comme toi, est assez vif et se projette rapidement sur l'avant? Ou est-ce que tu joues sur ton jeu ou tu te testes par rapport à ce que font les autres? Non, il fallait que j'applique mon jeu. Je sais que c'est un joueur qui est très rapide aussi, mais qui peut faire pas mal d'erreurs quand on le met sous pression. Et il fallait essayer de coller la balle le plus au mur et imposer mon rythme en variant de temps en temps pour le perturber. Et puis voilà, mais sinon c'était mon jeu de base qu'il fallait mettre en place et ça a bien marché. L'équipe de France est lancée vers les quarts de finale, ça y est, on y est. Tu peux dire au public de venir nombreux demain et de continuer à pousser. Ils ont été bons ce soir, non? Oui, c'est exceptionnel de jouer dans un endroit comme ça. C'est la première fois pour moi. En plus à la maison, enfin franchement, il n'y a rien de mieux, donc continuez comme ça et à demain. Applaudissements. Il nous reste un match à vivre, je compte sur vous pour rester là. On m'a glissé un petit papier dans la poche avant de venir vous voir. Alors, ce sont les championnats du monde de squash par équipe masculin.
Ce soir, il y a une soirée spéciale, la nuit du squash, au Gotha, c'est à Rixheim. Je m'excuse si je prononce mal, je ne suis pas du tout alsacien. Ou Rixheim, Rixheim, je ne sais pas. Et donc, pardon ? Dites-le tous ensemble, allez-y. Voilà, super, comme ça vous savez où c'est. L'entrée est gratuite pour tous ceux qui ont des billets. Voilà, bonne soirée à vous et bon troisième match. À tout à l'heure. Merci. Ok, we're gonna have the third match between Mexico and I don't know where is the disco. Qu'est-ce que c'est tout le monde? What monde? Say it in English, what do you want? We are waiting for the third match. France, Mexico. Thank you. Have a good time. Alors, pour ce dernier match, notre équipe de France est d'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale. Pour la petite histoire, ça sera demain et elle jouera contre la Malaisie. Donc on compte sur vous pour venir les encourager. À la différence des matchs précédents, au lieu de se jouer au meilleur des 5 sets, ça va se jouer au meilleur des 3 jeux. D'accord ? Donc un match un tout petit peu plus court. Voilà pour ce dernier match. Ok, for the last match, France-Mexico. The players are gonna play the best of the three games. Allez, sur le terrain, je sais pas s'ils sont jumeaux parce qu'ils se ressemblent beaucoup, mais en tous les cas, ils sont frangins. C'est le frère de celui qui a eu le malaise tout à l'heure, donc je voudrais qu'on applaudisse, s'il vous plaît, César Salazar, qui est sur le terrain. Et pour l'équipe de France, on va applaudir Mathieu Castagnier, s'il vous plaît. Thank you.